Salut, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de défiscalisation et à mon sens, la pire idée que tu pourrais avoir de vouloir défiscaliser en faisant de l'immobilier. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo, mais comme tu le sais, juste avant, je te balance le générique. Alors avant de commencer, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Tu vas découvrir un petit bouton tout en bas de cette vidéo. Tu cliques, tu t'abonnes et tu actives la petite clochette. Comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos où justement on parle d'investissement locatif. On parle aussi de tout ce qui est sous-location professionnelle immobilière, de conciergerie, d'appartement et également d'entrepreneuriat et une mindset d'entrepreneur. Puisque comme tu le sais et si tu me suis depuis pas mal de temps, eh bien je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 20 ans. Donc dans différents domaines et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une spécialité par rapport à l'immobilier, tout ce qui est sous-location, investissement locatif et tout ce qui est conciergerie d'appartement. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment traiter de ce sujet de défiscalisation. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo et bon, voilà, faute de sujets un petit peu différents que j'ai abordés auparavant, je me dis que là, c'est le bon moment de te parler de ça, tout simplement parce que j'ai déjà ma propre expérience, je vais pouvoir t'en parler. Je vais aussi pouvoir te parler d'expériences de personnes que j'accompagne dans le cadre de leurs investissements locatifs et qui ont fait des projets type Pinel, type Eurobien ou autres projets de défiscalisation. Et tu vas voir que c'est franchement la pire idée que tu pourras avoir aujourd'hui, tout simplement parce que si tu regardes cette chaîne YouTube, c'est qu'aujourd'hui tu cherches avec l'immobilier à faire du cash flow, à gagner de l'argent, à constituer un patrimoine certes, mais aussi gagner de l'argent avec ton immobilier. Et si aujourd'hui tu viens et que tu as fait ce type de programme, je peux t'assurer que malheureusement tu pars déjà avec un boulet et je vais m'expliquer dans cette vidéo. Alors je sais que ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, je le sais, hein. D'ailleurs tu mettras dans la partie commentaire ce que tu penses de tout ça. Certains me diront que c'est la meilleure solution de tous les temps et que c'était absolument la meilleure manière de se lancer dans l'immobilier. Mais il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est un projet qui se réfléchit, qui se mûrit, qui se prépare, qui s'étudie. Il faut faire des études de marché, il faut tout simplement vérifier dans la ville dans laquelle tu vas vouloir aller s'il y a un potentiel de marché, etc. Et malheureusement, déjà, rien qu'en introduction, avant même de commencer à t'expliquer les inconvénients, alors, il y a quelques avantages, bien évidemment, mais pour moi, ils sont juste ridicules, tout simplement parce que en fait, les personnes qui font du Pinel, qui font, comme moi j'ai fait une époque du Eurobien, mais c'est exactement la même chose, ou d'autres programmes, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont avisés et qui ont de l'expérience de l'immobilier. En fait, la cible, c'est tout simplement les nouveaux entrants, ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, qui ne savent pas du tout comment s'y prendre, et qui justement choisissent ces programmes, et je te le dis vraiment par expérience, parce que déjà je l'ai vécu. Je vais te raconter très rapidement mon histoire et aussi parce que ceux que j'accompagne dans le cadre de leurs investissements locatifs, ça leur pose des vrais problèmes parce qu'aujourd'hui, ils ont du mal justement à aller lever de la dette pour se lancer dans l'immobilier, mais dans l'immobilier à haut rendement. Ce que j'entends par là, c'est l'immobilier, non pas dans un but patrimonial, enfin dans un but patrimonial certes, mais avant tout aussi pour générer ce qu'on appelle du cash flow, c'est-à-dire gagner de l'argent tous les mois. En plus, voilà, comme complément de revenu, peut-être à un moment donné avoir suffisamment d'immobilier et pouvoir tout simplement vivre de son immobilier. Et du coup, c'est pour ça qu'il existe des techniques que j'apprends, cette chaîne YouTube et dans le cadre de mes formations, qui est tout ce qui est sous-location, conciergerie d'appartement, parce que ça nous permet de faire de l'immobilier en mode entrepreneur. Mais ça, c'est un autre sujet et je t'invite vraiment à consulter cette chaîne pour obtenir plus d'informations. Je vais te raconter rapidement mon histoire. Moi, j'avais 23 ans, j'étais salarié, je me lançais en même temps dans l'entrepreneuriat, donc j'avais créé une société de e-commerce et je voulais faire de l'immobilier parce que je savais très bien que l'immobilier, ça me permettait de me constituer un patrimoine, mais déjà, je n'étais pas dans le délire du cash flow parce que je ne pensais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier à cette époque-là. Et puis surtout qu'à cette époque-là, on n'avait pas toutes les techniques à haut rendement qu'on a aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire de l'immobilier, mais aussi parce que, en fait, finalement, j'ai fait de l'immobilier malgré moi, c'est-à-dire que je payais beaucoup d'impôts, c'est normal, j'étais jeune, mon premier bulletin de salaire, voilà, j'étais ingénieur de profession, forcément j'avais des bons revenus, ma femme de l'époque c'est pareil, avait aussi de bons revenus, donc forcément pas d'enfants, situation pas forcément encore mariée, etc. Et donc du coup tu payes énormément d'impôts. Et donc forcément tu as des programmes comme ça qui
voilà, qui s'annoncent à toi, qui disent que bah, grâce à ces programmes-là, tu vas faire des économies sur tes impôts et en même temps, tu vas te constituer un patrimoine. Alors sur le papier, ça paraît beau, sauf que la cible, encore une fois, c'est et ceux qui, en grosse partie, qui rejoignent ces programmes-là, ce sont des gens qui ne connaissent rien à l'immobilier, mais vraiment rien du tout. Et en fait, pour eux, ils se disent, bah, je fais de l'immobilier, c'est vrai, c'est cool, je vais avoir un logement, dans 25 ans, j'en serai le propriétaire je toucherai les loyers plein pot. Au passage, je fais des économies d'impôts. C'est vrai que sur le coup, tu te dis, mais c'est vrai que c'est top. Mais en fait, il y a beaucoup de pièges dans tous ces programmes, beaucoup. Et le truc, c'est que, effectivement, je pense que pour une minorité de gens, qui ont bien fait leur investissement, qui l'ont bien mûri, bien réfléchi et qui l'ont fait d'une certaine manière, ça peut marcher. Ouais, ça peut marcher. Mais je te le dis, dans 80% des cas, et je pense que si tu regardes cette vidéo et tu as fait ce type de programme, bah, tu me diras, toi, justement, où tu en es. Mais je peux t'assurer que vu moi, mon expérience et vu l'expérience des personnes que j'accompagne au quotidien dans leurs investissements locatifs, ce qu'ils en retirent de tout ça, c'est juste que bah, finalement, c'est pas du tout un bon plan. Pourquoi ? Alors pourquoi déjà ? Tout simplement parce que très fréquemment, on achète les biens 20 à 30% plus cher. Parce que ce qui se passe, c'est que ceux, encore une fois, qui veulent faire du Pinel, du Dorobien ou autre programme, hein, peu importe, ça s'adresse vraiment à tous les types de programmes de défiscalisation, c'est qu'en fait, en face de ça, tu as des sociétés qui se sont créées, des grosses structures immobilières et qui en fait se revendiquent comme faisant donc te donnant la possibilité d'accéder à leur programme et donc faire de la défiscalisation. Sauf que ces sociétés-là ne font pas ça gratuitement et bien évidemment elles prennent une énorme plus-value, mais vraiment elles gagnent beaucoup d'argent avec ces programmes-là tout simplement parce que eh bien, les biens sont, et je te le dis, sont majorés de 20 à 30%. Et ouais, c'est-à-dire que et je vais te le dire vraiment par genre toute transparence, puisque moi mon premier bien le seul que j'ai fait finalement, je me suis vite rendu compte que c'était une forme d'arnaque en fait, hein. Moi je le vois vraiment comme ça, je suis navré, hein. Mais pour moi c'est juste une arnaque, c'est qu'en fait je l'ai acheté 103 000 euros, d'accord. Donc c'était un T2 ou un T3 je crois, qui était dans le 44, dans un petit bled que je ne connaissais pas. Donc tu vois encore une fois une erreur, c'est-à-dire que je ne m'étais pas renseigné sur le patelin ou grossièrement. Donc la société te dit que le bled en question, voilà, il y a l'attractivité, il y a de la demande, etc. Et des gens, etc. De passage. Il y a des personnes qui habitent là et que du coup c'est un quartier qui est en plein développement, patati patata, que le logement va être tout neuf, que du coup il va correspondre aux nouvelles normes, enfin je t'en passe. Donc du coup tu dis oui, 103 000 ça paraît pas déconnant, sauf qu'au final moi quand je suis sorti, donc je suis sorti 13 ans après je crois, quelque chose comme ça, je l'ai revendu de mémoire 60 et encore j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance, je l'ai revendu de mémoire je crois 72 000 euros. Donc je te laisse faire le calcul, acheté 103, revendu 72. J'ai juste perdu 30 000 euros. Ça, c'est la première chose. Et donc, déjà, je te le dis, beaucoup de personnes, je connais des personnes autour de moi qui en ont fait et qui me disent « Ouais, mais non, justement, j'ai fait une évaluation, il vaut tant, etc. » Et ben, on verra le jour de la sortie, tu me feras voir exactement combien tu l'as acheté, combien tu l'as revendu ton bien. Et je peux t'assurer que généralement, les biens sont surévalués de 30%, entre 20 et 30%, et qu'en plus, à la sortie, il y a un deuxième piège. C'est que vu que bah forcément tout le monde s'est jeté sur des programmes qui étaient préétablis par des entreprises immobilières, ce qui s'est passé, c'est que du coup on se retrouve avec des immeubles remplis de gens qui ont fait comme toi, qui ont fait du Pinel ou un autre programme, et qui du coup on se retrouve tous en même temps à vouloir finalement sortir et à revendre nos biens. Et c'est ce que d'ailleurs m'a dit l'agence immobilière, elle me dit bah ouais, mais elle me dit vous comprenez bien, il y a de la concurrence et tout, parce que bah, vous n'êtes pas le seul à vouloir vendre. Et donc du coup, bah, si vous voulez vendre rapidement, il va falloir taper dans le prix. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, on s'aperçoit eh bien, qu'on va vendre 10% moins cher que le prix du marché. Bah oui, parce qu'en fait, on veut sortir, on est pressé, parce que moi je voulais me débarrasser de ce boulet-là, je savais que c'était vraiment un boulet, j'avais encore un crédit sur le dos, etc. Donc ça, c'est vraiment les soucis dès le départ que tu vas connaître, mais pas tout de suite en fait. C'est-à-dire que tu t'en rends pas forcément compte, mais tu as ces problèmes-là qui potentiellement vont arriver au moment de la sortie, mais tu ne le sais pas forcément. Et en plus, généralement, pour t'auto-convaincre, moi je vois les personnes à qui je pose leurs questions, me disent non, ça va se revendre. On verra, on en rediscutera. Déjà, ça c'est la première chose. Ensuite,
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres pièges. C'est-à-dire que si dans l'année, tu n'as pas retrouvé un locataire, et attention, parce qu'en fait, c'est calculé par rapport à l'année d'acquisition du bien et le moment où tu fais rentrer ton premier locataire. Et donc, il peut arriver que si, à un moment donné, tu n'as pas de locataire pendant X mois, eh bien, ça peut reporter l'année suivante. C'est-à-dire que tu vas perdre un an, tout simplement, de défiscalisation. Donc là, il y a un autre gros warning. Donc, ça veut dire que tu es en chasse, quand ton locataire s'en va, eh bien, de retrouver un locataire très rapidement. Alors, je te passe les problèmes de loyer impayé, etc. On a des assurances, mais qui ne se déclenchent pas forcément tout de suite, qui vont se déclencher X mois après. Je peux t'assurer aussi que par expérience, on est sur des loyers qui sont pas très très chers et les agences ne jouent pas forcément le jeu par rapport eh bien, à la prise de documents ou alors ils font des oublis, etc. Et je me suis retrouvé avec des locataires qui ne payaient pas et qui m'ont dégradé le logement. Voilà. Voilà. Et je peux t'assurer que mon cas n'est pas un cas unique, c'est un cas qui est assez fréquent. Encore une fois, parce que vu que tu es dans un schéma défiscalisation, forcément, tu te dis « j'ai pas du tout envie de m'en occuper ». En fait, je confie ça à une entreprise qui va tout faire pour moi. Mais sauf que là, en fait, vu que tu vois ça totalement de manière très passive, du coup, tu es totalement détaché du truc et toi, ce que tu vois, c'est juste ton économie d'impôt. Alors, sur le coup, tu es content, effectivement, tu as ton économie. Et je vois les personnes avec qui je discute me disent ça, bah, mais tu sais, Sébastien, je devrais payer tant, je paye que tant, etc. Je dis, ok. Mais à mon avis, faudra faire le calcul, tu vois, une fois que tout sera fini, quoi. Parce que si tu fais le calcul à un instant T, ok. Mais dans 10 ans, 15 ans, j'aimerais bien qu'on refasse le même calcul en intégrant justement toutes les problématiques que tu as pu connaître durant les 10-15 ans et notamment à la sortie. Donc là aussi arrive un autre problème, c'est les problèmes de loyer impayé, etc. On a des assurances encore une fois, mais je peux t'assurer aussi que vu que tu vois ça de manière totalement passive, en fait tu t'en occupes pas trop et t'es pas trop dans le délire. Et moi je me suis aperçu à un moment donné que je louais pas. Et en fait parce que les loyers étaient juste trop chers. Donc à un moment donné j'ai dit à l'agence, j'ai dit écoutez on arrête, je m'en occupe personnellement, j'ai eu l'annonce sur le bon coin, je le fais moi-même. Donc là déjà on n'est plus dans le schéma passif, etc. Là je commence à revenir dans le schéma immobilier où là je m'implique complètement dans le projet immobilier. Donc là c'est un peu déjà, l'approche n'est plus du tout la même. Et du coup j'ai baissé le loyer pour me mettre un loyer qui me paraissait cohérent parce que j'ai fait ma petite étude de marché, etc. dans la ville. Et là je me suis aperçu qu'effectivement c'était pas les bons loyers et qu'il fallait baisser le prix du loyer. Ce que j'ai fait, je crois que c'était 10% de moins, et bien là j'ai eu effectivement des locataires qui ont répondu positivement à l'annonce. Donc déjà je me rendais compte que l'agence faisait pas son job, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a plein d'intervenants là-dedans. Il y a le promoteur immobilier, il y a l'agence immobilière qui va gérer le bien. Et en fait, il y a tellement d'acteurs qu'à un moment donné, toi, tu détaches totalement de ça, encore une fois, parce que tu vois ça dans un mode complètement passif où tu fais rien, etc. Mais sauf qu'au final, vu que t'es pas trop impliqué dans le projet, vu que t'y connais rien au début, c'est vrai que dans l'immobilier, je n'y connaissais rien, eh bien, c'est la série de boulettes. Et donc, au final, d'un projet qui était soi-disant super attractif, etc., on se retrouve avec un projet qui n'était pas du tout attractif, encore une fois, parce qu'on n'a pas acheté le produit au bon prix, parce que aussi il y a autre chose qui intervient, c'est que ces projets là comme je te l'ai dit sont tous dans des lots, enfin des lots dans un immeuble par exemple, et donc c'est carrément des immeubles qui sont en loi Pinel ou autre. Enfin moi c'est en dehors bien, et ce qui se passe c'est qu'on se retrouve aussi des fois parfois dans des zones qu'on n'a pas forcément, alors déjà qui peuvent être loin de chez soi, donc ça veut dire qu'on pourra jamais y aller. Moi je l'ai pris pas très loin, donc justement ça m'a aidé à un moment donné, parce que quand ça n'allait plus comme je le voulais, j'ai pu aller sur place et constater de moi-même les dégâts ou les problèmes, etc. au-delà de l'agence. Mais c'est aussi que si tu veux, des fois les investissements sont faits pas dans des bonnes zones. Parce que c'est des zones qui sont concernées, que l'État a définies, qui sont éligibles à ça. Donc il y a les loyers modérés, mais il y a aussi les zones. Et du coup, on se retrouve parfois dans des endroits qui malheureusement... alors je sais que ça a tendance à changer en ce moment par rapport aux zones, etc. Mais à l'époque, moi, j'étais vraiment dans des zones bien déterminées. Et du coup, ce n'était pas une zone hyper attractive en fait. C'était une zone... et encore, je crois que j'ai eu de la chance, parce que je sais que d'autres personnes n'ont pas eu cette chance-là et se retrouvaient dans des zones où c'était pas du tout attractif en fait. Et du coup, tu te retrouves à acheter un bien immobilier, t'en deviens le propriétaire et malheureusement, eh bien, ce n'est pas du tout... c'est pas du tout le bon lieu. Donc là, c'était sous cette partie acquisition. Mais alors après, il y a un autre problème après, qui est aussi...
qui a toute son importance. Moi, les personnes que j'accompagne dans leurs investissements locatifs, qui veulent acheter, on est d'accord, il faut lever de la dette, il faut donc aller auprès d'une banque. Et ce qui se passe, c'est que je connais quelqu'un avec qui voilà, on a échangé par rapport à ça, et lui, il en a fait trois, je crois, projets comme celui-là. Et en fait, tous les mois, il se retrouve à sortir de sa poche, je crois, 600 ou 700 euros. C'est-à-dire qu'en fait, il se retrouve tous les mois avec une charge supplémentaire de 700 euros ou 600, je ne sais plus exactement. Tout simplement parce que bah, les loyers qu'il collecte ne couvrent pas toutes les charges. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on te vend le projet. Généralement, franchement, les charges sont minorées. C'est-à-dire qu'elles sont pas mises, à leur vraie valeur ou au contraire majorées. Au contraire, elles sont plutôt minorées. Et on se retrouve avec beaucoup de surprises parce que ça reste de l'immobilier. Et l'immobilier, il y aura des factures, il y aura des augmentations, il y aura des charges de copropriété, des choses qui vont être plus chères qu'auparavant pour tout un tas de raisons. Surtout que plus on avance dans le temps, bah, plus il y aura des choses à réparer, etc. Et donc, on se retrouve avec des charges de copropriété qui explosent ou autres, peut-être les assurances. L'assurance loyer impayé, etc., etc. Et donc, on se retrouve à un moment donné à avoir finalement pas mal de charges, et donc on se retrouve à sortir de l'argent. C'est-à-dire que d'une situation où on était censé couvrir avec le prêt immobilier le projet et les charges, on se retrouve dans une situation, et donc faire une économie d'impôt, on se retrouve à toujours faire une économie d'impôt, oui, certes, mais on se retrouve dans une situation où on sort de l'argent. C'est-à-dire qu'on est en cash flow négatif. On est en cash flow négatif. Et quand du coup, tu veux aller faire un autre projet immobilier où là, tu dis... Ah ouais, moi avec l'immobilier, c'est vrai que je sais que je peux gagner de l'argent, donc je veux aller sur un autre projet, cette fois-ci pas du tout en défiscalisation, mais un projet classique d'immobilier comme je le propose, comme je le fais dans le cadre de mes formations ou comme je le fais dans le cadre de mes accompagnements. Et bien là, on se retrouve à vouloir aller faire des crédits, donc à lever de l'argent, et bien on peut pas. Tout simplement parce qu'aux yeux de la banque, bah, tu as fait des projets IMO, mais c'est pas des projets IMO, c'est des projets foireux. Tout simplement, je te le dis, c'était la pire idée que tu aurais pu avoir. Parce que tu te retrouves en cash flow négatif, donc avec des charges tous les mois, et ça pendant X temps. Donc, d'une situation où tu te dis, moi j'aimerais bien faire de l'immobilier pour aller me faire des compléments de revenus, ou tout simplement pour peut-être à un moment donné vivre de l'immobilier, bah, ta situation elle est juste pas possible. C'est-à-dire que c'est mort, quoi. C'est-à-dire que ta situation, c'est terminé. Et si tu te poses la question, bah tiens, je vais revendre mes projets, donc j'ai un petit peu délesté des projets IMO, bah c'est pareil, tu peux pas, puisque t'es engagé. Tu t'es engagé sur 6 ans, 8 ans, 9, je sais plus exactement, pour te dire, je suis complètement sorti de ça, donc je sais plus exactement. Mais du coup, ça veut dire que, eh bien, tu peux pas revendre le bien, donc tu peux pas te délester de ce boulet, ou de ces boulets. Par contre, t'as plein de projets en tête, mais tu peux pas les faire. Parce que, encore une fois, tu es en cash flow négatif et que donc ton seuil d'endettement, malheureusement, bah, ça vient l'impacter, hein, on va pas se mentir. Et en plus, aux yeux de la banque, si tu veux, tu n'es pas vu comme l'investisseur immobilier de tous les temps. Hein. Tu n'es pas vu comme le... tu vois ce que je veux dire? Parce que pour eux, ce n'est pas des investissements immo que tu as fait. C'est juste des choses qui ne sont pas du tout rentables dans un but uniquement d'économiser les impôts. Alors moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, parce que maintenant, l'idée, c'est d'avancer. Il y a des solutions, bien évidemment, et je vais te les livrer ici. C'est dans cette configuration-là. Effectivement, les projets d'investissement locatif, de défiscalisation comme ça, pour moi, c'est juste pas possible. C'est juste vraiment la pire idée que tu aurais pu avoir. Maintenant, peut-être que tu es déjà engagé et que malheureusement, c'est trop tard. Et je le conçois, il existe quand même des solutions. Les personnes que j'accompagne sont vraiment dans cette configuration-là. Ce que je leur propose... de faire, eh bien, c'est faire de la sous-location. Et tu le sais, c'est cette chaîne YouTube, on fait de la sous-location, beaucoup. Ou pourquoi pas aussi investir dans une conciergerie d'appartement, tout simplement parce que tu vas te créer un business en parallèle qui va te rapporter pour le coup, à coup sûr, du cash flow positif. Et ce cash flow positif-là, on va venir le gommer par rapport à ton cash flow négatif que tu as sur tes investissements locatifs. Alors, je te dis pas que tu pourras réinvestir dans l'immobilier tout de suite, parce qu'il va falloir un temps, et il va falloir effacer quelque part toutes ces boulettes que tu as pu faire. Donc, c'est pour ça que les personnes que j'accompagne font aussi de la sous-location parce que justement c'est un moyen pour eux d'aller chercher le cash flow positif qu'ils ont besoin, qui va gommer quelque part dans un premier temps tout ce cash flow négatif qu'ils auraient pu avoir et après effectivement aller compléter encore et encore ce cash flow positif. Et puis les années passant, à un moment donné, tu vas retrouver très certainement de la rentabilité, enfin du pouvoir de levier, tu vas pouvoir lever à nouveau de l'argent, tout simplement parce que ton seuil d'endettement va être redescendu par rapport à tout ça. Et c'est là où tu vas pouvoir envisager de repartir sur de l'investissement locatif, non pas cette fois-ci en défiscalisation, bien évidemment, mais sur des techniques à haut rendement, sur des techniques
qui sont beaucoup plus lucratives. Donc un exemple classique, c'est on achète des appartements en dessous du prix du marché, on fait de la rénovation pour les mettre vraiment dans un standard qualitatif, et puis au passage, bien évidemment, la fiscalité nous aide, puisque quand on fait des travaux, on peut déduire tous nos travaux de notre fiscalité, donc ça c'est intéressant. Et bien évidemment, derrière, après, on va appliquer, moi je fais beaucoup de locations courte durée, enfin moyenne durée, et là pour le coup, on va avoir des loyers qui vont juste être explosifs et qui vont me permettre très clairement de faire du cash flow très rapidement, et c'est bien l'objectif. Donc voilà un petit peu la solution que moi je te propose et qui va te permettre à un moment donné, eh bien là pour le coup, de faire de l'immobilier rentable, non pas dans un but de faire des baisses d'impôts, parce que ce qui se passe, c'est que on est en France, on paye des impôts, il y a des solutions, bien évidemment, pour optimiser sa fiscalité, notamment je pense aux SCI, je pense aux sociétés, tout ce qui est SAS, etc. Puisqu'on a une fiscalité qui est globalement stable, mais c'est surtout que c'est une fiscalité qui en plus est en train de baisser, puisque les entreprises aujourd'hui qu'on crée, qu'on a, eh bien vu qu'on se base de plus en plus sur le modèle européen, et tu le sais, en France, on a la fiscalité la plus soutenue de tous les pays européens, eh bien en fait, petit à petit, chaque année, en fait, la fiscalité des entreprises commence à baisser. Et donc, les impôts coûtent de moins en moins cher en entreprise, mais c'est surtout que ça reste stable. C'est-à-dire qu'on ne va pas partir sur des trucs délirants où ça va complètement être modelé. Et du coup, en entreprise, pour moi, c'est le... Alors, tu peux le faire aussi en investissement perso, mais tu l'as vu, si t'es en investissement perso, tu es complètement bloqué. À un moment donné, tu n'as pas le choix que de repartir en fiscalité d'entreprise. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien que tu comprennes, et c'est le problème qu'ont les investisseurs aujourd'hui, débutants, qui n'y connaissent absolument rien, c'est qu'ils ne pensent qu'à une chose, c'est comment ne pas payer d'impôts. Sauf que ça, ce n'est pas du tout la bonne méthode, c'est... Comment s'enrichir d'abord, comment chercher de l'argent, comment gagner de l'argent, et après on voit comment optimiser sa fiscalité. J'ai bien dit l'optimiser, j'ai pas dit comment on peut défiscaliser, tu vois, l'approche est totalement différente. L'approche défiscalisation, c'est en gros on veut pas payer d'impôt, on veut payer zéro, mais c'est pas le but. Si tu payes de l'impôt, c'est pas grave, ça veut dire que quelque part tes projets sont rentables, tu gagnes de l'argent, etc. On va juste chercher après à l'optimiser, faire en sorte qu'on va faire certaines choses pour la baisser ou l'optimiser, c'est-à-dire la répartir d'une autre manière, la diluer peut-être sur des entreprises pour que derrière on ait une fiscalité qui soit beaucoup plus, on va dire, stable et qu'on ne se retrouve pas avec des surprises comme là j'ai pu t'expliquer durant toute cette vidéo. Donc cette vidéo est un petit peu longue, mais j'espère qu'elle a pu t'aider justement à mieux comprendre. Et si toi tu es dans cette situation là, ben du coup t'apporter des solutions. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi que je t'ai préparé une formation gratuite d'une heure justement où je t'explique comment te lancer dans la sous-location. Si ça t'intéresse, bah tu verras dans la partie commentaire cette petite formation que je t'invite à récupérer dès maintenant. Voilà, donc du coup, bah je sais aussi que certains qui ont regardé cette vidéo vont pas forcément être d'accord parce qu'ils font du doro bien, ils vont dire que c'est très très bien. Alors moi je connais une personne qui effectivement le fait, mais vraiment d'une approche totalement différente, parce qu'il fait tout par lui-même. Et là pour le coup, il achète au bon prix. Alors c'est pas forcément pour moi, c'est encore une fois, c'est pas la meilleure des solutions pour faire de l'immobilier, on va pas se mentir, et ça on changera jamais d'avis par rapport à ça, mais il y a quand même moyen de le faire de manière beaucoup plus intelligente que ce qui est fait aujourd'hui, contrairement à ce que moi j'ai pu faire et que plein de gens font et qui se lancent dans l'immobilier là-dedans en se disant waouh, ouais, c'est génial et tout parce que le programme il est super vendeur sur la plaquette, mais dans les faits, bah, dans les faits, c'est pas ça, ça reste l'immobilier. L'immobilier, c'est de la recherche, c'est de l'investissement personnel en études de marché par rapport aux produits immobiliers. C'est tout simplement se renseigner, c'est faire son étude de marché. Tu n'achètes pas de l'immobilier comme ça, tu vois un appartement à vendre, ça y est, t'achètes. Non, ça ne se passe pas comme ça dans les faits. Donc voilà un petit peu ce que je veux dire. Tu n'hésiteras pas à commenter, bien évidemment. Tu n'hésiteras pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Si toi aussi, tu avais fait ce type de projet, comment tu t'en es sorti. Et encore une fois, je suis convaincu que la majorité des commentaires seront plutôt négatif par rapport à ces projets-là, parce que vu tout ce que j'ai pu entendre et vu les personnes que j'accompagne, les soucis qu'ils ont eu au quotidien par rapport à ça, mais encore une fois, ceux qui sont encore dedans restent persuadés que ça reste la meilleure des solutions, parce que je pense qu'ils connaissent que ça et du coup ils s'en sont convaincus. Et bien on verra, on refera le point dans quelques années. Donc n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu cette fois-ci si cette vidéo elle t'a plu, ce format t'a plu, et n'hésite pas vraiment à liker cette vidéo. Moi ça me motive encore une fois à te livrer toujours et plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien.
mais le faire, c'est encore mieux. Et juste avant de te quitter, je vais t'offrir une formation gratuite sur justement comment te lancer dans l'investissement locatif. Tu vas découvrir une formation gratuite d'une heure que je t'ai préparée dans la partie commentaires. Si toi aussi tu veux te lancer dans l'investissement locatif, mais cette fois-ci de la bonne manière, c'est-à-dire de la manière qui va te permettre de t'enrichir, donc de constituer un patrimoine, mais en plus de ça, de gagner de l'argent tous les mois, tu découvriras tout ça, cette méthode, dans cette formation que je t'ai préparée dans la partie commentaires. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis tout simplement à très bientôt. Ciao.